mauvais nouvelles nan international là en ça qui concernait les États-Unis et la Russie de Vladimir Poutine. Après ministre défense pays les États-Unis, salué le secrétaire défense là monsieur Austin était devant Congrès américain et déclaré si Ukraine t'a perdu bataille là autant à entrer pour correspondre à la Russie. On côté dans des nouvelles là. Eh bien, porte-parole Vladimir Poutine, lui répond les États-Unis sèche. Yon troisième guerre mondiale, personne moun pas espéré. Mais gen l'autre qui dit tout, la Bible dit pas bien troisième guerre mondiale. M'ba wè passage là non, mais m'ba démenti yo. Eh bien, dossier yo même yo en pile dans monde là. Puisque des bêtes sa yo, depuis yon fois bikon yo, yon gon paquet l'autre petit bête qui très méchant de yon, yo, et bien qui pral mener monde là dans yon catastrophe. Ou même pran chèz bon chita pour mettre information dans men yon, parce que mission c'est former et informer, assurer que vous déjà mettez yon like, ou placer abonné, ou activer cloche notification, ou rete connecté. Parce que des bagay ou doué au courant, même les ou pas gen courant. Le porte-parole du Kremlin a condamné le 1er mars des propos tenus la veille par Austin, ministre défense américain. Entendu en commission au Congrès, le secrétaire à la défense des États-Unis a évoqué l'éventualité d'une confrontation directe entre la Russie et l'OTAN. Papa, semble pas attendre ça m'a dit là non. Nous prêtez attention chita. Placez like ou activez cloche notification chita devant caméra ou qui donc chita devant écran pour un bon détail. Eh bien, nous entendons des déclarations extrêmement irresponsables émise par plusieurs capitales européennes et désormais Outre-Atlantique. L'emzou Outre-Atlantique, là, m'a parlé des États-Unis. Eh bien, a déclaré Dimitri Peskov le 1er mars. Ses propos étant rapportés par l'agence TASS, il réagirait aux déclarations du secrétaire américain à la défense, M. Austin, alors que celui-ci était entendu dans le cadre d'une commission du Congrès pour avoir gardé secret son hospitalisation en décembre dernier. Le chef du Pentagone avait déclaré que si l'Ukraine tombait, je crois sincèrement que l'OTAN combattra la Russie. Papa, faut me taper ce gars pour me carrer en balance parce que à terre pas fouet. Eh bien, je t'ai relé monsieur devant le Congrès en fin mois février. Mission Congrès, c'était demander monsieur comment tu es fait malade et puis ou fait secret avec ça, personne ne va au courant si ou malade. Ou songe les dit monsieur fait cancer prostate et grand monsieur pas trop bon. Est-ce que là? Eh bien, monsieur à lui-même, il tombé dans notre affaire, dans notre question que tu poser, il dit en cas où il craint tomber. Li croit que sincèrement que autant lui-même a entré dans guerre avec la Russie nouvelle ça eh bien pas côté autorité russe trop bien parce que pas des monde qui veut troisième guerre mondiale la même moi ni pas de bagaille ça même ou pour dire moi faire journal a bien internet gros cause papa. Eh bien si nous savons que si Poutine parvient à ses fins, il ne s'arrêtera pas là et entreprendra d'autres actions agressives dans la région, a ajouté les responsables américains, citant les États baltes qui s'inquiètent d'être les prochains sur la liste. C'est une déclaration extrêmement irresponsable, déplie à fustiger le porte-parole du Kremlin. Pendant Austin déclaré devant le Congrès, si la Russie atteint l'objectif dans le pays Ukraine, eh bien, il y a un plan pour attaquer l'autre pays, même autant yo. Et il déclare encore,
gros action agressive qu'il va le faire et il y a plusieurs pays balles qui trop près la Russie qui senti yo assez peur. Mais monsieur lui-même pour assurer sécurité même autant yo, il va pas dans perdre temps, il a entré en guerre contre la Russie. On connaît ou va le dire la Russie des armes nucléaires. Mais faut me dire en vérité, c'est seul bon Dieu qui connaît qui qualité des armes nucléaires les États-Unis gagnent. Ou Poutine ou connaît le bat Colombille et n'est qui jolé et n'est qui parle en pile depuis le test on les deux les testons bête là il bon détail mais États-Unis qui bagaille là il fait un grand désert la Cali c'est en plein secret c'est satellite oui seulement qu'a détecté la puissance j'ai pas qu'à en tout cas pendant pour parler de Satando pour parler de Kenjal ou pour parler de missiles qui les Yasla. Mais quand les États-Unis, personne ne parle de missiles, et le pas qu'à première puissance militaire pour grand ici. Et bien, porte-parole, Vladimir Poutine a dit, genre de déclaration, ce n'est pas bagaille, ou autorité dans le monde qui a fait genre de déclaration tête en bas, pour parler de rentrer dans la guerre contre la Russie, déclarer la troisième guerre mondiale, etc. Et bien, déclaration, ça a fait Poutine vous et tout, et Poutine t'a parlé en grand, m'a bien pour une bonne idée. Toujours selon lui, ses sorties augmentent encore les tensions, ajoutant qu'il semblerait pourtant qu'il soit impossible de les augmenter encore davantage. L'OTAN considère l'Ukraine comme un de ses territoires. Et vraiment, cette déclaration du secrétaire américain à la défense faisait écho aux propos du président français le 26 février. Lors d'une conférence organisée à Paris en soutien à l'Ukraine, Emmanuel Macron avait déclaré que l'envoi des troupes au sol n'était pas exclu. Toutefois, de nombreux dirigeants européens s'étaient désolidarisés d'une telle intention à l'instar de l'Allemagne, de la Slovaquie ou encore de l'Espagne. Il y a plusieurs pays européens qui ne sont pas trop d'accord avec la déclaration d'Emmanuel Macron qui dit qu'il y a une possibilité pour ouvrir les soldats. Eh bien, sous territoire pays Ukraine pour aller combattre la Russie, mais les États-Unis même les dirigeants c'est entrer en guerre directe si Ukraine pas ta supporter bataille là encore. Par contre, si c'est bluffer mon non. Mais troisième guerre mondiale là, il devant porte nous à n'importe qui l'elle qu'apparaît. Eh bien, pour notre qui en bas yeux là, le plus important c'est qu'il illustre la vision de l'OTAN s'est indiqué. Peskov ajoutant que les blocs militaires occidentaux considèrent l'Ukraine comme un de ses territoires. Il répétait deux fois dans la déclaration devant la presse. Jean Louis toléré l'Ukraine, il a dépensé milliards pour l'Ukraine sans arrêter. Eh bien, Sergei Lavrov lui déclarait, eh bien, pays autant considéré l'Ukraine comme un non-membre. Ou qu'on a autant déjà passé à 32 membres. Voilà, l'Ukraine semble 33e membre. C'est tellement considéré l'Ukraine et c'est ça qu'a fait Poutine faire jalousie. Il n'a pas espéré ça. Cette surenchère verbale intervient alors que l'Ukraine subit des revers sur les fronts, notamment avec la récente perte d'Adivka et une échec et une année 2023 ternie par l'échec de sa contre-offensive. Sur les plans financiers, l'aide de l'Union européenne débite avec quelques mois de retard, tandis que aux États-Unis, malgré l'insistance de Joe Biden d'une enveloppe comprenant plus de 60 milliards de dollars, d'aide militaire destinée à l'Ukraine demeure bloquée au Congrès. Je vais aller plus loin que ça, c'est un bout de ça seulement ma bord. Et il y a le détail que je vais vous présenter encore, mais c'est dans l'autre vidéo. Ministre déclaré devant Congrès si en cas Ukraine t'a tombé qui donc il pas qu'à supporter sous la Russie, eh bien lui-même lui dit lui croit sincèrement que autant a rentré dans bataille. Et Emmanuel Macron en date 26 février t'a quand dit voyez troupes militaires autant sous sol pays Ukraine, il pas exclu, ça veut dire possible. Mais espérez ou comprendre, gardez si abonné ou placé, activez cloche notification, restez connecté. L'amour pour nous pas jamais fini, moi remets nous en pile. Merci tout le monde.